Bonsoir à tous. Je vais vous expliquer un peu le principe de peindre des boucliers et des côtes d'armure. Disons que maintenant, sur le mélange, je pars toujours sur la base, un gris de peigne avec du blanc, qui sera ombré soit avec du noir d'ivoire ou alors avec du neutre, du gris neutre. Ici, je vais vous expliquer, en fait, moi, ma base de départ, elle est déjà pré-peinte en ton très foncé. Par rapport à Marie, on a tout à fait une autre méthode de travail. En principe, je peins toujours une première couche d'huile très très fine sur tout ce qui est armure ou même les tissus. Enfin, ça, c'est ma propre méthode à moi de travail. Comme ça me permet aussi, comme elle disait, de venir avec des couches très fines et en superposition. Mais la différence par rapport à elle, c'est que moi, je travaille énormément dans le sec. Donc une fois qu'il est pris et que je suis arrivé à un maximum de ce que je peux, je laisse sécher, un jour, deux jours, deux, trois semaines, en fait, tout ça dépend. Et je reviens toujours avec des tons plus clairs, de plus en plus clairs ou de plus en plus foncés par rapport à ça. Donc voilà, ici on part sur du 30 mm, donc je n'ai qu'un sens de lumière. Pour le 30 mm, en fait, je n'ai qu'un sens de lumière, Michel, par rapport à si je peins des plus grandes échelles, où là, je peux faire intervenir de la lumière qui vient soit de droite ou de gauche, en plus de celle qui est de base. Donc ici, je vais vous montrer un peu une démonstration sur un bouclier qui a été préparé et déjà légèrement éclairé pour vous montrer un peu, moi, dans mon fort à moi, le volume qu'on peut présenter sur un bouclier. Donc la base de ce bouclier est du gris de peigne. Donc maintenant, je vais faire un mélange entre les deux, entre gris de peigne et un peu de blanc, pour déjà avoir ma première éclaircie. Et je vais vous montrer ce que ça donne par rapport à ça. Donc je travaille avec des pinceaux Winsor & Newton, ça va du triple zéro au zéro. Le zéro sert plus à étendre un peu la peinture. Disons que je tire ma peinture, mais j'essaye quand même de laisser un peu de matière pour avoir une harmonie quand on reviendra dans l'ombrage, pour avoir ces deux façons qui viendront se rejoindre en estompage. Donc ici, j'applique la première éclaircie sur le dessus du bouclier. Après, je travaille avec le zéro que je viens estomper. En général, j'essaye de laisser la première éclaircie principale sans venir estomper dedans. Et j'atténue en fait sur les côtés. Je commence à diminuer sur les côtés en allant à rien pour avoir une surface. Désolé, mais je suis un taiseux. Un peu de stress aussi. Un peu de stress aussi, donc.
Voilà, je vais ombrer maintenant le bas, toujours avec un triple zéro. Là, je prends le grid pen avec double black. Bon, avec mes loupes, je vois pas de masse. Et je fais la même façon que l'éclaircie. Donc de nouveau le même système, je viens estomper en remontant. Disons que ce travail d'ombrage, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, ben c'est assez long, parce que le grid paint et le blue black sont un peu transparents, donc il faut revenir plusieurs fois pour commencer à avoir une différence dans ce que vous faites dans votre volume. Donc je reprends de nouveau le même. Je vais estomper les côtés. Donc comme je vous disais tout à l'heure, j'essaye de laisser dans le milieu le maximum de foncé. Et je remonte sur l'extérieur. Tout doucement pour revenir sur l'approche de l'éclaircie. Je vais prendre un peu de teinte de base et la réombrer légèrement. Et je vais venir l'appliquer juste en dessous de la fin de la première éclaircie pour arriver à estomper cette teinte avec le foncé, avec le premier ombrage. Ici vous voyez sur la partie du haut du casque, ça c'est presque terminé. Ben, je vais dire pour faire cette partie-là, moi je suis un très très lambin, donc je vais dire il me faut à peu près 2 à 3 heures, hein, je veux dire, de travail, rien que pour cette partie, quoi. Parce que j'attends énormément le séchage, que ça revienne et reprendre tout doucement pour avoir des volumes supplémentaires, quoi. C'est ça la base aussi du plat, et c'est ce qui est un peu, je pense, difficile à comprendre à certains moments, c'est de donner un volume sur quelque chose qui est quand même très très plat, quoi. Donc
Donc, je viens estomper les deux ensemble. Vous pouvez descendre légèrement, rien pour avoir maintenant. Ce n'est qu'un début du fait que il faudra ombrer beaucoup et éclaircir aussi beaucoup plus souvent qu'on pense. Ici, je reprends de nouveau la première éclaircie. Et je vais la faire redescendre dans le sens de la lumière, sur le côté gauche. De nouveau estompé. Alors après, je reprends l'ombrage. Donc la partie qui est bouclier intérieur, j'ai envie de lui donner vraiment un volume d'arrondi sur l'extérieur. Donc je vais réombrer vraiment toute la partie centrale pour, et redescendre pour avoir un volume supplémentaire. Je suis toujours avec ma base au départ, mais après, à la longue de moi de la faire, je partirai sur des tons encore plus foncé, je veux dire blue black neutre, qui lui donnera encore plus de profondeur à un certain moment, quoi. Donc c'est difficile, c'est pas évident d'expliquer une manière de travailler du fait que la personne qui présente ceci est toujours dans son petit monde et c'est pas, je veux dire, et comme on revient souvent dans le sec. Et à un moment donné, on ne sait plus expliquer l'évolution de la façon de faire, quoi.
Maintenant, je vais réombrer tout le bas, mais là au blue black, pur. Donc j'emploie toujours le même pinceau, hein, donc. Bah ici, donc ici c'est fait pour oui, du métal. Maintenant on a, il y en a or, il y en a bois, tissu, enfin voilà. Donc on a tout ce qu'il faut. Mais enfin ici c'est plus souvent dans cette période-là quand même beaucoup métallique. Je veux dire, et on a le même, je veux dire, les côtes de maille. On peut les travailler, mais d'une façon différente pour ne pas non plus rester toujours dans la même gamme de teintes au moment où vous faites un du métallique. Sinon, voilà, on a toujours cette même couleur et c'est un peu dommage de ne pas avoir de contraste dans la même pièce qu'il y a beaucoup, comme celle-ci, celles qui sont devant là, qui sont vraiment beaucoup en côte d'armes et tout ça, quoi. Donc moi je travaille toujours, par exemple pour les côtes d'armes, j'essaie de trouver un autre mélange qui, le départ c'est toujours le gris de peine, mais je peux mettre du noir d'ivoire ou du truc, un noir de Mars. Pour avoir cet effet un peu brun, et alors on a tout à fait une autre éclaircie. L'éclaircie est toujours au blanc, hein, de toute façon. Donc, mais il faut monter graduellement, quoi. Je veux dire, je pense qu'ici j'active un peu la façon de faire pour un peu montrer. Mais sinon, moi, la façon dont je travaille est beaucoup plus lente. Voilà, je ferai une éclaircie semi-éclaircie, pas à ce point-là, et j'attends qu'il soit sec, voilà, pour revenir remettre. Je vais un peu estomper les côtés. Je reprends un peu de teinte intermédiaire avec le noir. Je reprends de nouveau du blue black. Et là, vous pouvez aussi, enfin bon, ça c'est une méthode de travail
travailler pardon, par petites lignes successives, qui quelquefois, pour des tout petites, par exemple des tout petits boucliers, donnent un rendu tout à fait correct, parce qu'on arrive alors à donner un sens de lumière supplémentaire par rapport au volume de la pièce, quoi. Alors moi je suis arrivé pour moi au maximum de ce que je peux faire. Je suis même déjà un peu trop loin de ce que je peux faire moi, donc dans mon fort personnel. Donc voilà, c'est une approche tout à fait différente. Maintenant le 30 mm, je pense que c'est pas évident. De donner le même, disons que l'avantage du grand plat, c'est qu'on peut donner beaucoup plus de volume. Ici, on est quand même limité dans des petites surfaces, donc il faut y aller en, je veux dire, en éclaircie, comme vous voyez sur le casque au-dessus. Il faut y aller franco à un moment donné, quoi. Il faut vraiment arriver presque au blanc. La dernière éclaircie doit être quasiment blanche. Et alors en dégradant justement au plus foncé, quoi, pour avoir cet aspect-là. Quoi. Voilà. Eh bien, bravo. Merci bien, merci à tous. Merci.